Carnet de voyage, nouvelle journée. Nous sommes à Shkoder, à la frontière nord de l'Albanie avec le Monténégro. Et aujourd'hui, le but, c'est d'atteindre le Monténégro. Ouais. Des paris. Oui, je parie qu'on va y arriver parce qu'on est trop fort. Hier, on a été des dieux quand même. Ah oui, c'est parti. C'est notre Gims. Ça va ou ça va? Tu vis bien? It's a French singer. Dans le mauvais sens, bébé. Ah mais c'est vraiment lui. Oui, c'est vraiment lui. Live. Tu fais pour mon corazon. Ça me tue. Je te veux partir comme une promesse. Arrivé à Budva, qui est une sorte de petite Dubrovnik. On voit le changement entre l'Albanie et le Monténégro en termes d'infrastructure et d'urbanisation. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a faim? À on table. S'est fait un pote qui écoutait du maître Gims. Ah oui. Pour aller à Kotor, on est actuellement en bus. Finalement, Budva. Franchement, Budva. Super. Un petit côté Miami Toc. Mer très bien. Des gens très sympas. Mais des chauffeurs de bus ont vraiment envie de s'en barrer. Liam ou Sama, est-ce que. Oh non, on vient d'arriver à Kotor. Ce qui allait se passer là, c'était. Kotor, alors qu'est-ce que vous en pensez? Regarde, il y a une citadelle en haut. C'est une vieille ville. Il y a une très belle vieille ville. On est dans une auberge de jeunesse très sympa. Bon, je vais la faire du coup. Bienvenue à Kotor, cité médiévale fortifiée. Et aussi, c'est un lieu qui est à bordure d'un estuaire qui s'appelle les Bouches de Kotor, qui est un site naturel très beau. C'est dans le Rhône. Ouais. Allez, andiamo tu, Kotor. Toujours à Kotor, on monte les remparts de la forteresse qui se lève à 260 mètres au-dessus de la ville avec 1,2 km de marche. On se retrouve en haut quand on sera mort. En haut de la forteresse de Kotor, une réaction à ressentir à ce moment-là précis? De la plénitude. Ouais. Non, de la sueur. Mais c'était une bonne montée quand même, hein? Oui, elle fait chouette. Pourquoi autant de chats? Les marins les emmenaient afin qu'il n'y ait pas trop d'invasion sur les bateaux de rats et du coup ils les laissaient là. Comme si c'était un port, ils les laissaient là. Nous sommes en train de redescendre de la forteresse de Kotor. Un scarabée. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Kotor qu'il faudrait dire? L'eau est bleue comme tes yeux. L'eau est bleue comme. Ouh! C'est vénitien. Kotor a été pendant 400 ans la propriété de Venise. Et c'est ce qui a le plus influencé son architecture. Et d'ailleurs, c'est visible quand on se balade dans les rues, il y a un vrai côté vénitien. Et il n'y a pas de voiture, on est heureux. Par contre, il y a des Français. Il y a un bon dédale. Il y a beaucoup de Français. Mais bon, ça, on est partout. Que voulez-vous? J'ai compris des princesses. On va où, Sama? On va où, Sama? Oh là là. À la plage. La journée du soir. Tu aimes la plage? Oui. Maintenant, je voulais faire une sortie de champ. Je connais Valérie Pécresse. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. On peut la refaire? À la plage. I'm gonna take what he's up.
carnet de voyage. Nous partons aujourd'hui de Kotor pour rejoindre Dubrovnik, en Croatie. Pour voir le Monténégro, c'était bien chouette. On a l'impression qu'il est 6 heures. Ouais. Parce qu'on a eu des troubles de nuit. Xavier n'a plus de portable. Ah oui, ça m'arrive à tous les voyages en fait. À un moment, mon téléphone meurt. Pendant quelques heures. Carnet de voyage, 8e jour, et nous sommes en Croatie à Dubrovnik. Première chose à faire quand on arrive à Dubrovnik, aller à la plage. Allez, c'est parti. Nous sommes un peu de joie, s'il te plaît. Après l'Albanie et le Monténégro, autant vous dire que Dubrovnik nous fait un petit choc en termes de population touristique. Oussama est en train de mourir sa vie. On visiterait uniquement soit ce soir un peu tard, soit demain matin très tôt. Voilà, pour essayer de se préserver parce qu'en fait comme demain on part en Bosnie, on va retrouver une population touristique assez basse. Et on voudrait pas qu'on ait un trauma de cette situation ici. On va faire nos associables du tourisme. Parce que nous, on n'est pas des touristes, on est des... Ok. Un peu plus d'enthousiasme. Allez. Ciao les nazes. Carnet de voyage, retour à Dubrovnik où on s'est levé aux aurores pour visiter puisqu'il est 8h45, voilà, début de la visite.